Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 2 décembre. Vous êtes décembre, tout là? Bienvenue dans le journal. Au sommaire de ce journal. Maurice est placé en zone rouge écarlate par la France. Comment faire si on ne peut plus aller en France? Réponse dans notre reportage. Alison Loutien est allée à la rencontre du cerveau de l'opération du vol de bijoux d'une valeur de 800 000 roupies et zoto. Il nous ramène ces images. Le bon deal vous sera présenté cette semaine par Moulouk Tani Gontran. Rouge écarlate, écoute ça, nous l'a sapé. Eh bien, une experte viendra nous en parler en plateau. Et pour finir, Vincent Duverger nous parlera des variants et des mutations dans le Kouma du Kiffer. Mais pour tout de suite, la fausse pib. Et toi, non, il pas trouvé mon bélier, là. Un jour, il a cramé du monstre et pour mime, là. Et surtout, les bureaux m'ont été là, m'a dit la cour l'école. BLD, disponible en rayon dans toutes les grandes surfaces. La France place Maurice et Knef les autres pays dans une zone rouge écarlate. À tout bandimon qui tu peux envier à la France pour le fête la nuit, l'année, tu peux aller même hashtag Paris la France, hashtag la Tour Eiffel, pétasse la même, Marie de Mars, bien ça craint. Mais nous, nous n'avons envie qu'on est. Qui ça bandimon qui panne réussir à la France là, mais comment ça peut faire? Qui ça peut penser pour faire? Un reportage. Madame Pakash Monisha, bonjour. Oui, moi m'appelle Monisha. Pakash Monisha, oui. Enchantée. Enchantée vous-même. Allô, nous t'en disons que justement, vu que nous pays en rouge écarlate, avion va décoller, puis à la France, et nous t'en disons qu'où tu es à la France, mais comment vous sentiez-vous là? Vous connaissez, l'état mongain, c'est un news là, qui la France, il me dit, Maurice, il est en rouge écarlate. Il me dit, Pakash Monisha, non. Bien non. Pakash Monisha. Non. 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 Moi, je dis non. Mon papoulis, sa news là, impacte le mon bonheur. Parce qu'en tant qu'il pas cache Monisha, mais moi, pas capable de cache Monisha. Donc, je dis non. Non. Moi, qu'une fois, je n'ai pas gagné droit à la France. Oui. Ça fait un problème pour moi. Mais moi, pour quand même gagner une bonne vacances. Oui. Moi, je décide pour encourager l'économie locale. Je dis pas cache Monisha. Fille. Tu besoin encourage l'économie locale. Mais qui ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire aller là? Mais tous les temps, du monde dit oui, besoin c'était local, c'est pas qui était. Moi dis ok, pas cash money ça. D'emplacement la France. Oui. Moi la nouvelle France. Nouvelle France c'est qui? C'est qui après qui a plus plein? Hein? Oui. Ou pas là-bas? Ou pas là-bas parce que vraiment, pourquoi pas? En plus de ça, il appelle nouvelle France. Oui. Mais ou, le nom même, il te dit tout. Moi, comment entendre ça? Je me dis, pas cash money ça, mais moi, tu peux faire un erreur, moi, tu peux aller à Paris, la France. Oui, oui. Parce que là, au moins, moi, quand on trouve une version moderne de la France, ça s'appelle Nouvelle France. Oui. Mais au moins, de nouveau la France, quoi. Oui. En plus de ça, il y a des grands prés, il y a des grands. Comme si. Oui, parce que l'amour est dans le pré, non? Exactement. Ou si regrette à l'émission. Oui, moi aussi, je me dis, pas cash money ça, nous avons pour trouver un fermier qui pour compter en moi, ni pour rabote moi, quoi. Donc là, moi, peut-être vous capable de gagner une jolie fermier dans Nouvelle-France. Mais oui. Hein? Après, ok, peine à la Tour Eiffel dans Nouvelle-France, oui, normal. Enfin. Mais, capable fermier, là, il peine à une petite la Tour, moi, capable de monter l'eau là. Hein? Arrête ça. Moi, vous montez l'eau la Tour Eiffel, mais moi, vous montez l'eau, je sais, c'est la Tour. Moi, me dis où, moi? Oui, on a bien raison. Non, moi, me dis où, connais bizarre. Tous les temps, me dis ça, me dis pas casse mon nicha, mais bizarre. Vraiment, tu es bizarre, encourage du monde pour. Investir dans l'économie locale. Tu peux venir la voix de nous l'économie locale, pas cash money ça. Par exemple, ma cousine. Oui. Ma cousine, tu en viens à London. Mm-hmm. Tu en viens à London, ça semaine-là. Ouais. Mais London, c'est pas fait un tamanien, un tazès. Mais quand il peut aller au quoi? Buckingham à côté Rosil. Mais
Ripper Buckingham, ils sont pas là, c'est bien bon. Une boulette pas là, ça va bien bon. Boulette pas là, Buckingham, c'est extraordinaire. Guette mon cousin. Mon cousin, lui. Mon cousin, ça y est, son frère. Mon cousin, son frère. Mon cousin, son frère. Mais il y a un fan football. Il y a un grand fan football. Il y a aussi, il y a un l'Angleterre. Il y a un l'Angleterre, là, il y a son équipe, son teams. Mais il y a un là, à côté fond du sac, là, dans les noms. Mais oui. Tout ça capable de gagner dans Maurice. Puis ça a arrêté quoi, tu sais quoi, qui existe dans des hauts qui est nabon. Dans Maurice, c'est nabon. Dans Maurice, c'est nabon, mon tia. Donc moi, aujourd'hui, je suis décidé, je suis commande mon taxi, je suis à la Nouvelle-France. Merci beaucoup, madame. Merci vous-même. Je fais un check-in. Allez. Et voici le moment que vous attendez tous. Alison Moutien, notre reporter sans frontières, qui n'a le 800 000 roupies, bisous. Et toi là, Alison, bonsoir. Bonsoir, Lidia. Alison, n'est que diamant, s'il vous plaît, on a le sa boucle là, pas en pitié. Lidia, où pour moi, vous baillez quoi bon ça? Bon, ce qui me perd déjà où, Lidia, c'est que nous prenons le guet sa toxicomane qui vous paye là, mais par contre, nous avons le mastermind. Suivez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, qui vous parle de nous, le mastermind, le masterplan, tout ce qui vous parle de nous, s'il vous plaît, parce que nous marisons un reportage aujourd'hui. Alors, vous connaissez ce vol-là, c'est un vol qui me planifie depuis quand même assez longtemps. Hein. C'est... Combien d'années? 10 ans par là. Par exemple, je vous ai fait bien simple, madame là, quoi, elle est restée sur la case par lui-même. Non. 10 ans de cela, mon complice plein de magnan, bataille dans pour lui. Madame la renverse tout ce bain de plan, nous trouvait qu'il était envers de la case, et nous t'y connais exactement, il y a un terrain, et nous finissons pas de l'eau, ça terrain-là, nous t'y fouillons un tunnel, nous. Hey, excuse-moi, vous êtes un professeur ou? Oui, très cher. Vous avez fait film? Non. Ah, oh, pas où, non, oh. On me dit souvent que je ressemble à c'est un collègue, je le connais bien. C'était mon professeur à moi aussi. Donc, je reviens sur l'histoire que donc, s'il vous plaît. Madame là a acheté ce terrain, il monte sur la case, et il dit quoi, il fait ça de son plein gré. Mais en fait, quand on me dit, oh, plein de manants, il bat et tout ça là. Nous, pendant tout ce temps-là, pendant toute cette année-là, nous avons fouillé un tunnel. Un joli tunnel, un grand tunnel, en bas sur la case. Et vous connaissez avec qui ce tunnel-là connecté? Pas de diamant sur toilette, ça. Exactement, cher ami. Moi, tu mon autre complice qui appelle Plaine des Papayes. Oui. Plaine des Papayes, lui, il est plombier. Il a fait plomberie côté l'île. Il connectait ce band de WC avec le tunnel. Mais pas fini. Ce band bouche d'aération, qui dans Maurice m'appelle Aircon. Mais tout ça là aussi, nous trafiquons. Tiens, la caméra partout. Partout qui appelle partout. Caméra dans toilette? Pas dans toilette, dans ce Aircon. Oui, mais s'il mettait un con dans la toilette là. Mais c'est partout que tu n'as un con, tu as la caméra. Et justement, il met un con dans la somme. Donc elle connaît exactement que ça lui cassait de ce bijou. Parce que ça, madame là, c'est quoi, il y a une madame normale? Du tout. Nous, tu connais, il y a 800 000 roupies de bijoux. Nous nous rentrons, nous prenons tout bijou, nous flush dans le WC. Tu passes dans le tunnel. Et où, mais quoi, où il attrape bon Jimoun. Ça font partie de nos plans. Mais on pas penser un peu de danser ou montrer vos figures comme ça le télévision. Alison Moutia. Oui. Comment on le retrouve moi? On me dit sur le Google. Le Google me tape mastermind. Tout a été vol, tout a fait. Ou quoi au type autour de moi si me pas envie autour de moi? Lydia, c'était nous reportage, ça Google une faux, mais vous allez tracer des affaires là. Hein? Ok. À vous les studios. Il vient avec un vrai reportage cette fois-ci. Hein? Il fait ce travail à ce qui est taillé. Il a descendu du bon sens, ma chère. Bien bon, bien bon. Place maintenant au bon deal de Mouloktani Gontran. Le bon deal de la semaine vous est présenté par eShops.mu, un service de MIPS. L'heure est à la fête dans le bon deal de cette semaine car nous avons à cœur votre gaieté. Car nous allons parler de Celebrate. Celebrate est un online shop qui vous offre une panoplie d'accessoires et d'objets de décoration pour tous vos événements. Qui dit mariage, qui dit l'anniversaire, le Celebrate Ena. Ballons, cake toppers, bougies en tout genre et même party costumes. Celebrate a tout ce qu'il faut pour organiser une teuf de malade sans avoir à sortir de chez vous. Tout est online. Get catalogue online, pass the command online et surtout
paye online grâce au Payment Engine MIPS 105 roupies tracas. En plus de ça, la livraison est à domicile et ça c'est vraiment amazing parce que pas les temps qui courent, il y a un petit virus qui fait le tour un petit peu partout. Donc même si on fait une fête en petit comité bien sûr, mais on peut quand même toujours décorer et avoir tous nos éléments de décoration livrés chez nous grâce à Celebrate, grâce à eShop, grâce à MIPS. C'est very nice. Ce qui est encore plus amazing, c'est que grâce au bon deal, grâce à eShops.mu by MIPS, vous allez pouvoir bénéficier de 10% de discount sur votre achat sur le online shop de Celebrate. Comment faire? C'est très simple. Vous allez sur eShops.mu, dans la barre de recherche verte qui est là ou là, vous allez taper bon deal, B-O-N-D-E-A-L sans espace, vous tapez Enter et vous avez 10% de remise chez Celebrate. That deserves a celebration, doesn't it? Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre bon deal par eShops.mu by MIPS. Peace! Vous cherchez une peinture blanche de qualité supérieure pour peindre votre maison? Pure White de la gamme Polycolor est une peinture murale blanche et mate résistante au lavage adaptée à toutes les pièces de votre maison. Cette peinture sans odeur est certifiée selon la norme de qualité MS3 par le Mauritius Standards Bureau. Un produit made in Maurice. Nous accueillons maintenant une experte en couleurs, Madame Palette. Madame Palette, bonsoir. Bonsoir Lydia. Alors Madame Palette, on se demande tous... pourquoi avons choisi la couleur rouge écarlate? Parce que comme vous savez, à Maurice, nous sommes bien dans une couleur qui est flamboyant, la flamme. Pourquoi rouge écarlate, hein? Oui, il ne faut pas l'oublier, je suis française, je sais tout ça, Lydia. Vous ne m'apprenez rien de nouveau. C'est juste que je voulais aller sur une couleur qui parle plus aux gens, plus aux Mauriciens. Ça ne correspond pas aux Mauriciens, le rouge flamboyant. Je suis d'accord que voilà, c'est la saison des flamboyants. Oui. Ne me regardez pas comme ça, Lydia. C'est juste que voilà, la couleur rouge flamboyant, c'est une couleur primaire. Et en ce moment, est-ce que les écoles primaires sont ouvertes à Maurice? Non, pas du tout. Donc ça ne parle pas aux Mauriciens. On a été allé sur une couleur qui vraiment représente ce qu'est la Covid-19. Donc moi je me disais que vous voyez, on a ce souci que les petits cochons ils rient du nez de leur maman. On ne voulait pas reproduire cela. Et comme on dit, le bœuf il s'assoit et la liane il pousse. Mmh. On ne voulait pas en fait aller dans une polémique comme ça. On ne voulait pas provoquer quelque chose comme ça. Et ça ne fait pas longtemps que j'occupe ce poste, mais bien sûr je suis une experte depuis de nombreuses années maintenant. Et je me disais en fait que comme j'ai promis dans mon entretien que j'allais amener du changement et de l'évolution, et bien vous savez quand on dit au monsieur domestique s'il vous plaît, et bien peace pot. Voilà. Ouais, tout à fait. Mmh. Non mais moi ce qui me tient envie de connaître vraiment, c'est qu'il signifie en fait. C'est-à-dire un plaisir couler, qui fait rouge écarlate, mais qu'il signifie ça. La signification du rouge écarlate, et bien c'est simple Lydia. Le rouge écarlate, il signifie les règles, de la société. Il signifie le danger, l'endurance, tout ce dont on a besoin quand on parle de la Covid-19 en fait. Par exemple l'endurance quand on a le vaccin, on a besoin d'endurance, d'être fort, de prendre nos vitamines. Voilà, c'est vraiment pour prendre conscience. C'est une couleur qui ressemble beaucoup à la couleur burgundy, vous connaissez en anglais, à la Fashion Week, on a beaucoup avec vu cette grenade, couleur. Grenadine, c'est un fruit, non, non, rien à voir avec la grenadine. Ah d'accord, donc du coup on s'était dit que on allait aller justement sur quelque chose qui soit un challenge, un challenge pour nous et un challenge pour le peuple mauricien, un challenge comme est la Covid-19 actuellement dans le monde entier. Merci beaucoup. Une dernière question, mais tu sens envie de connaître, parce que rien à voir avec ça. Qui vous boit dans le matin où? Alors moi, c'est café noir court tous les matins, métro, boulot, dodo, oui, baguette, croissant, béret, tout ça. Alors, je finis de comprendre vous autres. Arrêtez ça maintenant, Vida. Arrêtez de boire un café, de boire un café, parce que sinon... vous finissez comme aller comme ça. Allez, merci beaucoup, madame. Merci. Palette, continuez à mettre la couleur dans la vie des gens. C'est merci, c'est gentil, merci beaucoup. On passe maintenant à le comment du kiffer de Vincent Duverger. Bonjour à tous, bienvenue dans encore une fois le comment du kiffer, la minute de la science et de la connaissance. Aujourd'hui, nous pouvons nous inciser qui l'on la bouche en tas du monde. Omicron, ou c'est à dire Omicron. Bref, Omicron c'est un nouveau variant de Covid avec une bonne mutation énorme. Alors là, c'est que sa phrase me fait dire là, du monde peut dire. Hein?
Au fait, quelle est la différence entre un variant et une mutation et qui était un nouveau variant? D'abord, ce qu'il faut connaître, c'est qu'un virus, comme un COVID par exemple, il a un ADN extra long. Sur l'ADN long, vous voyez qu'on casse son ADN, il y a un tas de petits bouts, collés ensemble. Là, là, quand on nous casse, nous donne un nom, ça bout qu'il y a là. Nous donne une lettre A, B, C, D, E, F, G, O, I, J, K, L, M, N, bref. À ce temps-là, quand il reproduit un virus, ça. Parce qu'il est bien reproduit pour qu'il rentre dans les cours du monde. Il dit, hé, comment on rentre dans les cours là? Moi, je suis sans un du coup là, je suis déguisement du coup là. Moi, sans un, la licence, là, là, ok? Mais quand il est sans un, parfois il fait une bannière, il oublie une lettre, ou soit il lit à l'envers, il met une lettre, il tient une lettre. Appelle ça une mutation. Quand le virus là, c'est une marie mutée, mais il garde sa même erreur là, fait comment il oublie A tous les coups, il commence à faire B par B, et qu'il continue, il fait sa même erreur là, allez, même, il crée un voyant parce qu'ils ont tout pareil, ils ont tout oublié ça, erreur là, tu vois, ils ont oublié ça, hein? On vient toujours compliqué même. Bref, là, quand il y a beaucoup de mutations, pour un seul même erreur, tout ça, le virus, il fait sa même erreur là, il fait un variant. Là, les scientifiques sud-africains, parce qu'ils peuvent être sud-africains, ben, ils ont réussi à découvrir cette histoire là dans la Sud-Afrique. Et un tas du monde peut discriminer les sud-africains, ils peut dire, hé, Sud-Africain, non, c'est vrai ça. Vous autres, ben, ils donnent un coup de main, dans plus 18. Hein? Bon, là, quand ils découvrent ce virus là, ben, ils disent, oh, fait pire. Parce qu'Omicron, il a un tas pareil, il a une récit mutée, il a une récit répète sa même ADN là, une tas fois. Veut dire, sciemment, il est plus transmissible. Alors oui, Omicron, il est beaucoup plus contagieux qu'il voyant Delta. C'est moi, il y a un CSR en ce moment qui peut dire, hé, mon collègue du journal, il fait gagner Omicron. Mais si ce n'est pas cool, c'est tout. Et oui, il y a beaucoup de patients, ce symptôme paraît un peu mild, un peu plus faible que Delta. Pas veut dire que moi, je dis, correct, nous avons sorti des hauts, nous masques, éteignés dans le nos voisins. Non! Nous avons continué à nous faire distancing. Mais il y a un chercheur qui peut dire tellement le virus a muté, il peut venir de plus en plus faible. Ce serait donc peut-être la fin du Covid. Wow! Yes! Et là, je connais. Il y a un dernier pot de péguer de nous. Il peut dire, hé, divers indiens, c'est la fin du Covid. Nous allons la place, nous faisons pique-nique, nous allons dormir, nous faisons shopping partout. Nous allons crasse dans le game, madame. Correct ça? Pff, non! Mets ton masque, mauvais nez à pot. Voilà, c'était la minute de la science et de la connaissance. Je me retrouve la semaine prochaine pour encore une fois une information qui est bien connue. Voilà, c'était tout pour nous pour le journal. Pas oublier tout du monde, like, share, commente et surtout protéger autres avec sa bande nouveau voyant, bande nouveau virus, bande nouveau affaire qui peut finir. Protéger autres, mes autres, mass sanitizer, distancing et sur ce mot des autres. Bye! Il m'a bien pour les mains.